Amis tireurs, bonjour. Nous nous retrouvons sur le terrain en ce début du mois de février. Alors, ça fait un bon moment que je n'étais pas revenu sur le terrain depuis décembre de l'année dernière. J'ai pris des vacances, j'ai attrapé la grippe et maintenant, ça va mieux. J'ai des armes intéressantes à vous montrer. Malheureusement, Jean ne sera pas avec moi. Il a déjà beaucoup de mal avec ses problèmes de santé à assurer dans sa vie professionnelle les formations qu'il doit faire. Et donc, je ne sais pas s'il continuera à faire les bancs d'essai avec moi. C'est dommage parce que vraiment, on va perdre gros. Et surtout que là, j'ai des armes très intéressantes à vous montrer et qui auraient intéressé Jean. Au moins la première, puisqu'elle s'adresse vraiment aux représentants des forces de l'ordre. Ce sont des armes fabriquées par la firme turque Kanik, une firme qui a le vent en poupe, qui a l'air de faire des choses extrêmement intéressantes. Et là, je vais vous montrer deux modèles de chez Kanik, un modèle donc plutôt force de l'ordre, enfin même directement un pistolet de combat, et puis un autre qui s'adresse plutôt aux tireurs IPSC ou aux tireurs sportifs. Et nous allons voir qu'il est aussi très intéressant et surtout ils sont très très bien équipés. Ils sont livrés avec beaucoup d'accessoires. Alors ce premier modèle de chez Kanik, c'est le TP9, TP9 V2 très exactement. Ils ont un catalogue très très fourni, il y a énormément de modèles. Il y en a beaucoup qui sont assez proches les uns des autres. Ce TP9, c'est vraiment le modèle pour les forces de l'ordre. Il est livré donc dans une mallette en matière plastique, avec de véritables charnières, donc une mallette de qualité correcte. Il y a bien sûr un mode d'emploi, un certificat du banc d'épreuve. Et puis, on voit tout de suite qu'il est très très bien équipé. Il y a un cadenas à câble. Il est livré avec un holster, avec un paddle et une embase pour pouvoir le fixer au ceinturon. Le paddle, ça permet de le passer derrière la ceinture sans avoir besoin de dégrafer le ceinturon. Donc ça, c'est un choix. Il y a une brosse, un tire-chiffon, donc des éléments pour le nettoyage. Il est livré avec deux chargeurs de 18 coups, une chargette, c'est-à-dire un outil d'aide au remplissage des chargeurs, deux dos interchangeables, parce qu'on peut donc adapter un petit peu mieux la morphologie de la poignée, la poignée à sa morphologie. Et il y a aussi un petit axe d'ailleurs qui est ici, un petit axe qui permet de chasser la goupille qui va vous permettre de changer le dos. Ou qui va vous permettre de fixer une dragonne également. Alors, le holster qui est livré avec l'arme, c'est un holster intéressant, un modèle avec rétention active. C'est-à-dire que quand on pose l'arme, elle est immédiatement verrouillée de façon très, très solide. Et quand on la saisit en main, l'index vient vraiment sur la commande. On peut très facilement déverrouiller. Ça, c'est vraiment l'idéal, ce genre de holster. Et après, on va le fixer sur une des deux platines, soit directement pour le passer le ceinturon à l'intérieur, soit pour le passer à l'intérieur du pantalon, par-dessus le ceinturon. Avec ou sans ceinturon d'ailleurs, et à chaque fois on a plusieurs réglages qui va nous permettre de régler l'inclinaison du holster. Selon qu'on est droitier ou gaucher, selon qu'on veut porter l'arme à gauche ou à droite, on va pouvoir régler l'inclinaison. Donc ça c'est quand même très intéressant, bonne qualité. Alors là, bien sûr, je vérifie que la chambre est vide, le chargeur était vide, je l'ai retiré, donc j'ai dit deux chargeurs de 18 coups qui sont fabriqués par Meggar, donc c'est une firme bien connue. Ils sont avec un corps en tôle d'acier et un talon, un fond et un élévateur en polymère. Donc on est dans du matériel standard, connu et qui est très très fiable. Alors vous connaissez tous la loi de Murphy, il y a la loi des séries, il y a la loi de Murphy, c'est-à-dire que tout ce qui peut se dérouler mal va se dérouler mal, ça interviendra au plus mauvais moment.
Et là, c'est un petit peu ce qui m'arrive. Je suis tombé en panne de batterie et finalement, mon petit APN refuse complètement de fonctionner. Est-ce qu'il est arrivé en fin de vie? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le froid qui ne lui plaît pas? Toujours est-il que j'avais heureusement un deuxième appareil de secours qui est un petit peu moins performant que le premier. Bon, on verra peut-être pas trop la différence. Et j'avais plusieurs batteries, donc voilà, j'ai réussi à remettre ça en place. C'est jamais très facile quand on est tout seul. On doit à la fois faire le cadrage et puis se trouver dans le cadrage. J'espère que ça va marcher, qu'il ne va pas tomber en panne. Alors, donc, on reprend là où on en était avec ce modèle de chez Canic. On a vu donc qu'il était très bien équipé. Alors, Canic, je pense qu'ils ont fait quelque chose de quand même très intéressant. Ils ont copié d'autres fabricants et ils ont un petit peu fait une synthèse de tout ce qu'il y avait de mieux. Et je pense qu'ils ont assez bien réussi cette synthèse. On va voir ce que ça va donner sur le terrain, on va regarder ça ensemble. Mais ça me paraît très très bien. Alors, on voit tout de suite qu'il y a déjà une queue de détente qui est directement copiée sur celle du Glock, avec une pédale de sécurité. Bon, ça, c'est une première chose. Ensuite, il fonctionne un petit peu comme un Glock, c'est-à-dire que quand le percuteur est armé, je vais tirer comme une simple action. Là, j'ai une course assez longue, mais avec aucune résistance. Et ensuite, j'ai une course beaucoup plus courte. Bon, il reste quand même une certaine longueur de course, et très peu de résistance pour le départ du coup. La différence par rapport au Glock, c'est que je sais que mon percuteur est armé parce que je le vois ici. Le percuteur sort il passe au travers la plaque arrière de la culasse et il a son extrémité peinte en rouge. On voit que le percuteur est armé. Là, j'ai désarmé et je ne vois plus le percuteur. Alors, j'ai désarmé exactement comme je le ferais sur un Glock, mais avec ce modèle, je vais pouvoir faire tout à fait autrement. Et ça, c'est aussi intéressant. Il a copié ça sur Walther, je crois qu'il y avait ce système de décoquille. C'est-à-dire qu'ici, voilà, je peux désarmer mon percuteur. Et une fois que j'ai désarmé mon percuteur, ce n'est pas comme un Glock où on ne peut tirer que quand le percuteur est armé. Là, on a un modèle qui est en simple et double action. C'est-à-dire que quand je vais désarmer le percuteur, je vais encore pouvoir tirer en double action. Cette fois-ci, j'ai très peu de courses mortes et ensuite j'ai toute une course d'armement de mon percuteur. Et à la fin, je tire. Là, je suis en DAO en fait. Et une fois que je vais tirer, que la culasse va reculer, le percuteur va se trouver armé et je vais tirer ensuite en simple action. Donc, j'ai le choix, ou je fais comme un Glock et mon arme, elle est prête à tirer en simple action, premier coup en simple action, les autres en simple action, ou alors je désarme mon percuteur et là mon arme, elle est prête à tirer premier coup en double action et les autres bien sûr puisque la culasse va reculer en simple action. C'est intéressant. C'est très bien fait et ça me paraît très intéressant. Alors pour le reste, on trouve un déverrouillage de chargeur qui est assez peu proéminent mais très facile au niveau de l'appréhension. Il ne faut pas qu'il soit trop proéminent, il ne faut pas que le chargeur soit déverrouillé tout seul. Le chargeur tombe par son propre poids, même s'il est vide. Et ce déverrouillage de chargeur est réversible. Ensuite, on a un arrêtoir de culasse qui n'est pas ambidextre, qui est très peu proéminent, mais qui est quand même très facile à actionner. Donc ça, c'est vraiment très très bien fait. On a des éléments de visée, un guidon, enfin éléments de visée, hausse et guidon qui sont en acier. Le guidon est monté sur une queue d'aronde longitudinale. Mais il est serti, donc en principe, on ne va pas le changer. On peut le changer si en cas de besoin, si on a l'arme est tombée à terre et on a abîmé le guidon, on va pouvoir le changer, bien sûr. La hausse est en acier aussi, elle est montée sur une queue d'aronde latérale.
Donc on va pouvoir la dériver à droite ou à gauche pour régler l'arme en azimut. Pré-régler l'arme en azimut. Ensuite, on ne pourra pas intervenir, donc on va voir ce que ça donne. Mais en azimut, bien sûr, on pourra rectifier le réglage si besoin est. Elle est verrouillée par deux petites vis. Il faut une petite clé Allen si on veut changer ce réglage. Donc ça, c'est très très bien. On a vu qu'il y avait donc des dos interchangeables. Il y en a deux, un petit et un grand. Bon, c'est un choix pour les grosses mains. On va prendre le dos un petit peu plus bombé. Il y a un démontage, un curseur de démontage qui est un petit peu copié sur le Glock, mais amélioré, beaucoup plus facile à saisir. Et le démontage est très simple. On va désarmer le percuteur. Bon, il n'y a pas besoin de tirer comme sur un Glock. Je vais désarmer le percuteur ici. On va tirer un petit peu la culasse vers l'arrière. On voit ici qu'il y a une échancrure. Donc, il suffit d'aller au bout de l'échancrure, au niveau du curseur. Et on va tirer ce curseur vers le bas. Et on peut démonter l'arme très facilement. Donc là, le démontage d'une simplicité enfantine. Ensuite, bah, c'est exactement comme un Glock. On a un ressort récupérateur plat qui est prisonnier de sa tige guide. On a un canon qui ressemble beaucoup à celui du Glock. Pour le remontage, on va donc réinstaller le canon, réinstaller le ressort récupérateur, le coincer au niveau du canon. Et là, bah, on n'a rien à faire, on met simplement dans les rails et ça se verrouille tout seul. Donc c'est quand même extrêmement simple et ça m'a l'air très très bien fait. Alors, il est couleur sable, mais il y a le choix, il y a d'autres couleurs, bien sûr. Bon, sable, c'était assez intéressant, ça fait une finition un peu bicolore. On a donc la carcasse qui est moulée dans un polymère couleur sable et la culasse qui est peinte couleur sable. Mais il y a beaucoup d'autres choix. On va regarder ça maintenant sur le terrain. On va voir ce que ça donne. On va passer aux essais. Bon, je vais commencer cet essai du TP9. Je vais commencer par des celliers Bello 115 grains. S'il me reste, oui, il en reste assez. Charge à 10 coups comme d'habitude. Le soleil nous a quittés et du coup, quand il n'y a plus de soleil, il fait pas très chaud. Bon, le chrono est en marche. J'ai mis la cible à 25 mètres. On va faire ce premier groupement et voir surtout où on se trouve par rapport au point visé.
Bon, on va aller voir où se trouve ce premier groupement. Alors là, première munition, ça ne sera pas forcément les meilleures. C'est des celliers Bello 115 grains. Bon, c'est des munitions qui ne sont pas chères, qui ne sont pas mauvaises, mais généralement, ce n'est pas les plus précises. Et je prends ma visée bas visuelle. L'idéal pour le tir sportif, mais cette arme de combat est peut-être réglée point visé, point touché. Dans ce cas-là, je vais me trouver trop bas dans la cible. Il faudra après que je prenne différemment ma visée. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. On va aller au résultat pour ce premier groupement de 10 coups. Alors là, donc j'ai tiré ces celliers Bello 115 grains. Et au niveau de la vitesse, donc j'ai tiré 10 coups. Le plus bas, c'est 332. La plus haute, 341. La moyenne, 335. Et l'écart type 3. Bon, c'est tout à fait correct. Et le groupement donc à 25 mètres. Ce premier groupement. Hein. Mais ça n'a pas l'air mal. C'est pas mal du tout. Ouais, c'est pas mal du tout. Ouais, c'est même excellent. Et ça m'arrange bien. On va voir si les autres munitions sont pareilles. Parce que là, c'est des balles quand même légères. Mais j'ai pris ma visée ici. Et je suis là. Donc je suis très légèrement au-dessus du point visé. Ça, c'est excellent pour une arme de combat. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai mes 10 coups et j'en ai 8 qui sont vraiment... c'est très très bon. Très très bon. Bah écoute, on va voir ce que donnent les autres munitions. Mais ça commence plutôt bien ce petit canic. Bon, voici la fin du banc d'essai de ce pistolet Canic TP9 V2 que j'avais commencé le week-end dernier. Et puis j'ai eu un certain nombre de problèmes avec ma petite caméra, avec mon petit APN, dû finalement uniquement aux batteries que j'avais pas utilisées depuis plusieurs mois et qui n'ont pas aimé le froid. Donc bon, voilà, ça... Ça va causer des problèmes, j'ai beau avoir plusieurs batteries de rechange. Là, aujourd'hui, j'avais donc fait la plupart des essais, il m'en manquait encore quelques-uns, j'ai fini les essais aujourd'hui, donc le week-end suivant. J'ai essayé une bonne quinzaine de munitions, des munitions rechargées et des munitions du commerce. J'ai des résultats intéressants. Alors, je ne vais pas détailler ces résultats, je ne vais pas vous les montrer. Pour vous encourager quand même à acheter le magazine Action, dans lequel vous verrez à chaque fois le tableau des résultats et les photos des meilleures cibles. Je peux vous dire tout de suite que ce pistolet est très précis. Bon, ceci dit, c'est quand même pas, bien sûr, une arme de match. C'est un modèle quand même à canon de 4 pouces, à canon relativement court. On voit bien que c'est pas une arme de match parce qu'on a quand même bien souvent un flyer qui vient ruiner le groupement. C'est-à-dire augmenter, multiplier par deux le groupement. Bon, mais même quand le groupement est multiplié par deux, il reste quand même dans le visuel de la C50. Pour une arme de combat, il est quand même très précis. Alors, je détaillerai, je ferai des mesures beaucoup plus précises, mais je pense qu'il va se placer dans une bonne moyenne. Et il va être tout à fait l'équivalent de pistolets de combat très, très connus et très appréciés au niveau de la précision. Au niveau du fonctionnement, de la fiabilité, je n'ai pas eu le moindre problème. Je n'ai pas eu un seul enrayage. Donc vraiment, il fonctionne très bien. Il fonctionne même avec les munitions sous-chargées, sans aucun problème. Donc c'est vraiment une arme qui me semble excellente. Alors après, on va toujours me poser la question, est-ce qu'il est capable de supplanter le Glock? Parce que c'est la question que tout le monde se pose. Ça, c'est un autre problème. Est-ce que moi, j'échangerais, si j'avais besoin de mon Glock comme arme de service, est-ce que j'échangerais mon Glock contre ce Canic? Sans doute pas, parce que franchement, le Glock, il a fait ses preuves au niveau de la fiabilité. Donc même si le Canic est extrêmement fiable, il ne sera pas plus fiable que le Glock, à mon avis. Et on ne peut pas faire plus simple que Glock. Il n'y a rien de plus simple. Il y a juste une queue de détente, un arrêtoir de culasse, un bouton poussoir de déverrouillage de chargeur. On ne peut pas supprimer encore quelque chose, c'est pas possible, ça ne peut pas être plus simple. Donc là, on a la possibilité de
désarmés de façon à tirer le premier coup en double action. C'est bien pour ceux qui veulent vraiment, ils veulent toujours multiplier les sécurités. Ils n'aiment pas trop le Glock parce qu'ils ont peur que ça parte tout seul. Un Glock, ça part pas tout seul, il faut vraiment le vouloir. Tirer le premier coup en double action, alors effectivement, vous avez une course beaucoup plus longue, une course plus dure, vous allez armer tout le long le percuteur, mais vous vous retrouvez toujours devant le même problème. Vous allez tirer le premier coup en double action et le deuxième coup en simple action. Et vous n'avez pas la même course, vous n'avez pas le même point de départ entre les deux. C'est assez difficile à gérer, j'en vois franchement pas l'intérêt. Là, on voit bien, quand on est en double action, on arme le percuteur, on voit le percuteur apparaître, tout le long on va armer le ressort du percuteur et après il part. Quand on est en simple action, on voit bien que le percuteur est armé, il est armé à 100%. On va juste le déclencher, alors que le déclenchement ne se fait pas trop facilement, au niveau sécurité il n'y a aucun problème, mais c'est quand même un simple action. Ça n'est pas l'équivalent d'un Glock où en fait le percuteur est demi-armé et on va armer cette demi-course qui reste à faire. Moi je trouve quand même que le Glock est quand même difficilement le battre sur ce terrain-là. Bon, pour le reste, c'est une question de goût. Je viens d'admettre que ça soit plus élégant qu'un Glock, je veux bien admettre que les couleurs soient plus sympathiques. Il a quand même un certain nombre d'atouts, ce canic, et en plus, il est très bien équipé. Le holster qui est livré avec est très intéressant. Moi, je trouve fantastique ces holsters où il y a un verrouillage instantané, une sécurité totale et un déverrouillage d'une extrême facilité. Alors, je sais que on m'a dit, au niveau des policiers, m'ont dit certains qu'ils ont interdit ce genre de holster parce qu'ils considéraient qu'il y avait un risque, que le fait qu'on se serve de l'index, on allait ensuite appuyer sur la queue de détente si on est en état de stress. Tout est possible. J'ai quand même un petit peu de mal. Appuyer sur la queue de détente après avoir dégainé, simplement à cause de ce mouvement, je vois pas tellement comment c'est possible. Sans le vouloir, je vois pas tellement comment c'est possible. Moi, j'ai dit, plutôt que de supprimer le holster, vous auriez mieux fait de supprimer les gens qui sont capables de faire ça, parce que franchement, c'est des gens qui ne sont pas correctement formés, à mon avis. Bon. Ce que je veux dire simplement, c'est que tout est critiquable. On peut toujours tout critiquer, on peut toujours trouver le petit défaut, le petit problème. Moi, franchement, je vois pas tellement de critiques à apporter à cette arme. Alors, s'il faut vraiment critiquer quelque chose, mais vraiment pour le plaisir de critiquer, ce que je trouverais, c'est le toucher qui me plaît un petit peu moins par rapport au Glock. Pourquoi ? Est-ce que c'est le polymère lui-même, ou est-ce que c'est en fait la texture du polymère, je ne sais pas. Mais quand je prends en main mon Glock, j'ai l'impression d'avoir une matière plastique un petit peu souple quand même. La poignée, la carcasse est un petit peu souple. Là, j'ai vraiment l'impression d'une matière plastique dure. Et ça se ressent quand même au niveau du recul, c'est-à-dire que le recul est un petit peu plus durement ressenti à cause de cette matière plastique assez dure. C'est pas le jour et la nuit, et franchement, c'est un défaut minime. C'est vraiment parce que je veux trouver quelque chose. Moi, j'ai pas trouvé autre chose à reprocher à ce pistolet, qui est vendu quand même à un prix intéressant, surtout en considérant qu'il est vendu avec un bon nombre d'accessoires. Voilà, amis tireurs, n'oubliez pas de voir dans le prochain numéro du magazine Action ce bon d'essai du TP9. On parlera aussi dans ce prochain numéro d'Action des armes pour la police municipale, puisque la police municipale, maintenant c'est passé au décret officiel, va pouvoir s'équiper de pistolets semi-automatiques en calibre 9 mm parabellum. Avant, ils n'avaient droit qu'au 7,65 et ils vont pouvoir tirer des munitions expansives. Donc c'est intéressant. Le choix du pistolet, bah, il va falloir le faire avec un bon nombre de concurrents qui sont tous très intéressants. Donc on va reparler un petit peu de tous ces concurrents, y compris ce canic, y compris le Glock 17, que nous avons déjà tous
testé dans le magazine Action. Mais ça sera intéressant de refaire un petit peu un petit rappel et de confronter un petit peu tous ces pistolets. Voilà, amis tireurs, merci pour votre attention, merci pour votre fidélité sur notre site et selon la formule consacrée, bon tir!